Coucou. Bon, ben voilà, je viens de prendre ma douche. Bonjour tout le monde. Je viens de prendre ma douche et je vais leur faire la petite vidéo de ce que j'ai fait hier. Bon, j'ai l'impression que ça fait des reflets dans mes lunettes. Parce que quand je me mets de l'autre côté, il y a un abonné qui m'a dit que ça faisait trouble parce que j'avais trop de choses derrière. Donc elle m'a dit, mets-toi dos au mur. Oui, mais dos au mur. J'ai la tête devant et ça me fait un reflet. Donc il faut que je me baisse comme ça. Comme ça. Non. Bon, tant pis, on va faire un essai comme ça. Si ça va pas, je reprendrai ma place ou je trouverai une autre place. Je sais pas. Elle m'a dit il y a trop de choses derrière, c'est pour ça que ça fait trouble. On va voir cette vidéo-là si elle fait trouble ou pas. Bon, c'est pas le sujet hein, de toute façon. Mais je voulais vous montrer où est-ce que j'avais fait hier. Donc, ce n'est pas une idée de moi. C'est, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, je prends des tutos sur YouTube et je fais à ma sauce. Hein, aussi bien pour faire les sacs, les pochettes et tout ça. Des fois, je fais à peu près pareil, mais des fois, je change un petit truc. Voilà. Je ne veux pas faire du copier-coller. Ça sert, mais sinon, si vous voulez en faire, cherchez dans YouTube. Et dans des vidéos, vous allez voir, il y en a plein de vidéos de couture, hein, il y a de quoi faire. Donc, hier, j'ai fait un petit sac à dos pour petite fille de 3-4 ans. Voilà. Donc, voilà mon petit sac. Voilà. Alors, derrière, il y a des petites bandoulières. Voilà. J'ai fait un petit rabat avec des pressions. Avec une pression. Voilà. J'ai fait une petite poche devant. Bon, à l'intérieur, il n'y en a pas. Sur le côté, il y a une petite pression aussi pour l'agrandir si elle a trop de petites choses à mettre. Voilà. J'ai fait une petite pression de chaque côté. Alors pour. Je vais vous expliquer. Petit sac, je vais sûrement faire aussi un pour petit garçon après, mais aujourd'hui je me fais aujourd'hui je vais me mettre à faire des sûrement le petit comment protège carnet de santé et puis autre chose aujourd'hui je vais faire bébé aujourd'hui. Donc j'ai fait des petites bandoulières, j'ai mis une petite anse pour accrocher. Voilà. Alors pour info, ce tissu-là, c'est celui que j'ai reçu des coupons de Saint-Pierre. Alors il n'était pas à 15 euros les 3 mètres, il était à 12 euros les 3 mètres. Hein, j'ai re-regardé. Il était à 12 euros les 3 mètres, celui-là. Le tissu rose là et le tissu rose là, et ce qui m'a servi pour faire les bandoulières, c'est le tissu que Marie-Claude m'a envoyé. Et elle m'avait envoyé c'était joli, vous savez, je vous avais montré la petite garniture là, donc j'ai mis et j'en ai mis aussi ici. Voilà. Donc, j'entends un tracteur aujourd'hui, un dimanche. Enfin, un tracteur, oui, mais celui qui coupe l'herbe. Voilà. Donc, voilà ma petite création d'hier après-midi. Alors, ça fait un petit front comme ça. Je l'ai doublé aussi en tissu, le même rose. Attendez, je vais tout vous défaire quand même. Les pressions que j'ai achetées, je vous dis qu'elles tiennent bien. Voilà, j'ai tout doublé en rose aussi, avec le tissu rose pas Marie-Pierre, Marie-Claude. De Marie-Claude. J'ai dit Marie-Pierre tout à l'heure. Je ne sais plus. Oui, parce que j'ai une Marie-Pierre et une Marie-Claude, donc je confonds. Non, mais c'est Marie-Claude là. Marie-Claude qui m'a envoyé tout le colis de tissu. Donc j'ai pris le tissu rose pour mettre à l'intérieur. J'ai fait la petite poche. Enfin, toute la garniture est issue des coupons de Saint-Pierre. Voilà, bah, écoutez, je voulais vous montrer ça. Bon, je vous dis, cet après-midi, je vais me mettre à faire, enfin, cet après-midi même tout à l'heure, parce qu'il est trop tard, il est 10 heures. Bon, j'ai pris ma douche, mon boulot, il est fait. Vous savez, toute seule, j'ai pas grand-chose à faire. Et je vais me mettre, comme il n'y a pas de loto en ce moment, hein, je vous dis, les lotos. C'est dur dur pour avoir un loto. Il n'y en a pas. Je ne suis même pas sûre qu'ils reprennent.
Je ne suis même pas sûre qu'ils reprennent tout de suite. Ils vont reprendre qu'au mois de septembre, je pense. Voilà. Donc, eh ben, il faut bien que je m'occupe, hein. Bon, le jardin, je vous dirais franchement, depuis une semaine, je n'y ai pas touché. Parce que déjà, il n'a pas fait beau. Il n'a pas fait beau. Et puis, j'avais plus envie de coudre que de faire du jardinage. Et puis, voilà. Je ne sais pas si Coco va faire un live cet après-midi. On va voir ça. Je ne l'ai pas eu au téléphone encore 10h du matin, c'est un peu trop tôt. Quoique des fois on s'appelle plus tôt, mais bon. Et puis voilà, demain, ou si je fais une vidéo, si je fais mon petit truc cet après-midi, ben, je vous ferai peut-être une vidéo dans l'après-midi, puis apparaîtra demain matin, ou dans la nuit, ou je ne sais pas, parce que moi je ne programme pas, hein, je mets au fur et à mesure, je ne programme pas. Et ben voilà, j'ai fait ma petite vidéo du jour. Et puis, oui, hier j'étais contente, hein, apparemment, j'ai eu plein de messages. Coco aussi a eu des messages en disant, ça fait plaisir de voir ta maman comme ça. Ben oui, ça me change quand même. C'est vrai que ça me change vraiment de ce que je faisais il y a quoi depuis le début de l'année. Hein. Donc, depuis le début de l'année, je faisais pas grand-chose, j'essayais de m'occuper. Mais bon, si j'avais tricoté aussi un pull, mais c'est pourtant j'aimais ça le tricot avant, je faisais beaucoup, hein. Je vous dis, je tricotais pour des poupées, je tricotais pour mes petites filles quand elles étaient petites, et puis voilà quoi, mais non, maintenant c'est couture, 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 je ne pense qu'à ça, donc voilà. Bon, je vais arrêter mon blabla parce que je n'ai pas grand-chose à vous raconter d'autre. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Ah oui, j'ai ma journaliste. Si, si, c'est bien la journaliste du réveil. Hein, elle vient mercredi matin à 11h. Alors, je ne sais pas. Je lui ai dit, mais j'ai rien à vous raconter quand elle m'a appelé au téléphone. Je dis, mais j'ai rien à vous raconter. Elle m'a dit, si, si. Elle me dit, je vous ai vu sur YouTube et je veux faire un article sur vous. Bon, ben, on va bien voir ce qu'elle va me faire. Ça m'énerve ces reflets. Je sais pas la vidéo ce que ça va donner. Et donc ben, je vous dirai ça, je vous tiendrai au courant. J'ai rien à cacher, moi. De toute façon, je cache rien. Alors il y en a, bon, c'est sûr, vous êtes certaines à me dire méfie-toi et tout, mais bon, je me suis renseignée, j'ai rappelé le réveil, j'ai demandé, et si, si, c'est bien quelqu'un du journal du coin. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Et puis, je vais bien voir. Vous inquiétez pas, je ne vais pas attraper la grosse tête. Hein. Pas du tout. Alors là, c'est pas mon truc, moi. De toute façon, dans le réveil, j'ai paru souvent parce que comme je faisais beaucoup de loto, comme je faisais, oui, parce qu'en ce moment, j'en fais pas, je faisais beaucoup de loto et souvent, les journalistes qui venaient, ben, ils nous prenaient, mon mari et puis moi, en photo, et, je sais pas, des photos du journal, j'en ai eu pas mal, hein. C'est pas pour ça que ma tête elle a enflé, non, pas du tout, hein. Alors ça, c'est pas mon genre. Et puis voilà. Voilà mon petit blabla. Alors, je vous remonte mon petit truc. Moi, j'en ferai sûrement un pour petit garçon et peut-être pour adulte aussi, mais pas dans ces couleurs-là, bien sûr. Mais là, j'ai dit, tiens, pour une petite fille de 3-4 ans, c'est pas mal. Et puis voilà. Bon, bah sur ce, je vous fais un gros bisou. Et puis, à la prochaine vidéo. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, à la prochaine. Bisous à toutes.